Vous voyez, la scène a changé. Vous me direz si c'est mieux ou moins bien. Alors, on va déjà commencer par le dernier trailer. Qu'est-ce que nous avons? On y était déjà hier ici. 16h, Death Note. Oui, le jeu en coopération en ligne. Tu vois. お前の名前を知って自分で殺せてよかった。Ouais, du coup, ma scène est un peu bizarre parce qu'il y a un autre site aussi à côté. Welcome to Death Note, Killer Within, an online social deduction game of truth and deception. The key to this game is the Death Note. The human whose name is written in this note shall die. J'ai oublié de faire un truc, tu te rends compte? A maximum of 10 players will be split into two teams. Team Kira, who possesses the Death Note, and Team L, who will try to reveal Kira's identity and stop Kira from using it. In Team Kira, there's Kira and a Kira follower. These two work together in secret to steal IDs from other players and eliminate them by using the Death Note. In Team L, there's L and the investigators. These players cooperate with each other and aim to reveal Kira's identity by sharing information. Donc ça va être une sorte de cop, je sais plus comment il s'appelait l'autre jeu là dans l'espace. Through a cycle of action phase in which voilà, c'est ça, merci Esther. Diamond Gus. And a meeting phase et where coucou Gustin, comment va? To discuss and attempt to arrest Kira based on evidence with a notebook in the action can phase. Choose everyone who want to kill. Why don't we take a closer et comment tu vas? Into this et qu'est-ce que vous pensez de cette scène? On me voit en plus grand. Beaucoup Kira, plus. You hold the Death Note and are the only et du coup, ça sera sur YouTube players. Aussi. Hein. However, in order to judge a player, il sera mis sur YouTube aujourd'hui même. Real name. You can obtain this by approaching the target, un peu, but ouais, don't mais en plus grand. Suspicious. Metatazugoke. Judge investigators and NPCs without getting caught. If you can judge L, who is hiding amongst the investigators, you win instantly. En plus grand. As Kira follower, your job is to steal IDs for Kira. You can also communicate secretly with Kira via transceiver. Additionally, the Death Note can be transferred between Kira and Kira follower. Make the transfer at comme the right as you time are, to deceive the other players. Donc ça a l'air cool, Ether, ok. Both L and the investigators must complete tasks. Parce que je trouvais que ça faisait plus YouTuber. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Some tasks entail asking NPCs for testimonials, which helps reveal information about Kira. Parce qu'ils ont l'habitude, tu vois, même d'aller jusque-là, tu vois. Investigators look for clues to support L's deduction and help identify the real Kira. Voilà. Bonjour, je suis un YouTuber, je te mets que ma gueule. Be aware of close to you. Your ID might get stolen if they are Kira or Kira follower. Unlike normal investigators, L has special actions, such as commanding other players to investigate and setting up surveillance donc, cameras. Bon, j'ai bien agrandi, mais ouais. Let's make good use of these actions and get closer mais to bon, bref, ouais, on voit le principe, is. Quoi, Diamond Gus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui a popé entre hier et aujourd'hui? Sengoku Dynasty exclusif 1.0, très là. Ça veut dire que je me souviens plus de ce que c'est. I wouldn't survive. That I wouldn't ah, un jeu de survie japonais. Je crois en avoir entendu parler à une époque, je m'en souviens plus. That I would never become a daimyo. But I proved them wrong. To be a true leader, you must be fierce and brave. Yet never cease to embrace the beauty of the world and the beauty of life. Pourquoi pas? Bon, il est un peu moche le do jeu. Not mais... let humble beginnings hold you back. Je parle bien de moche. Your actions and choices will shape the world. Et donc on pourra faire du jardinage tout ça. Hey coucou regarde cheval, comment va? Or through peaceful influence. One day will rise to power as a ruler. Or find peace beneath the cherry blossoms. Keep all the glory to yourself. Or share it with those who stand by your side. Remember, only through sacrifice pardon. You can forge a legacy.
Moi, ça me parle vraiment pas, moi, ce genre de jeu. Hey, coucou, ce bloc, comment va? Ça me parle vraiment pas du tout, ce genre de jeu. Ah, Yam Futur. Fais voir. Hello, future dwellers. The wait is almost over. On November 13th, 2024, ça roule, version écoute, ça 1.0 va, ça va. I am future. This means you're in for what might be the biggest. Du coup, une scène plus youtubesque à popée. C'est beaucoup plus compatible avec les directions artistiques de YouTube. Si on peut parler de direction artistique et de YouTube. Remember all those coming soon zones? Well, now you'll be able to visit all the rooftops you've been curious about. Plus, courage à toi, ce bloc. Several bigger new locations. We know you've all been eagerly waiting to visit the carnival since we last showed it off, and it will finally be accessible with this new update. In the last update, we introduced the relationship system with characters. And of course, we've added a new character in version. Donc ça, c'est un espèce de city builder, non? Barbara, ouais. A woman with an explosive personality who needs your help. Befriend her, help her work through her problems, and she'll make sure nobody messes with you. We've added level 3 and level 4 of the smart tower, meaning you can now travel to every corner of Cornwall. Bon, par contre, c'est ouais, ça dure 4 minutes, un pont monocorde, survival crafting. Ah, je me suis trompé. OK. Bon, bah, on va passer. If sunset officially early access. Oh mon dieu, ça a l'air d'être gratiné, tu vois. Le jeu du naufragé. Donc là, c'est un vrai jeu de survie. Et salut Purple Octopus, comment on va? Allez, on va dire que c'est un jeu de survie. Et j'ai raison au moins une fois dans ce truc-là. Jeu de survie. Moi, ça va, écoute. Ma nuit, comme toujours, en espérant que ma journée ne soit pas comme celle d'hier. Voilà. Ce sera bien. Robinson animé, ouais. Et potentiellement avoir de la gestion de base. Ah bah ça ressemble à ça, hein. Ah, il y a du zomblard. Et voilà. Ça ressemble beaucoup à ça, hein, ce que tu décris. Leechcraft. Ça, par contre, ça... c'était intriguant. Il était là, c'est le dernier. Risk of Rain 2, non. Towers of Agashba. Symphonia. Rachant le Metroidvania, je prends mon pari. En tout cas, c'est joli. Ouais, c'est très joli. Thank you.
Et ça sort partout. Quoi? Alors attends, 3 secondes. Est-ce qu'il y est sur l'autre site? Celui-ci. Zinfonia dans 30 jours. On va le mettre dans sa liste d'attente. Comment est-ce qu'on fait? Là. Et on va dire sur Xbox. Ouais, on s'en fout. C'est la même chose. C'est un projet étudiant. Ah ouais. Ils sont bien débrouillés, hein. Ils sont bien débrouillés parce que là, sur le trailer, sur le papier, ça vend du rêve. Sur le trailer, ça vend du rêve. Surtout vers la fin, regarde. Un royaume perdu autour de la musique. En tout cas, ça vend du rêve. Moi, ça me vend du rêve. Donc voilà, je l'ai mis sur la liste. Sur la liste des attentes. Hermano. Elle y a déjà joué, Dame Dame, à ça? Ouah, jeu type Egamboa. Plutôt bien fait, mais il manque la rémanence de l'image en fait. Le Steam NeoFest, donc une démo. Ah ouais, ok. Enfin, moi qui m'en. En général, je m'enquière de ces événements-là, c'est dommage. Je suis passé à côté de Pépite du coup. Pas l'ancienne, je sais pas, non, ça peut le faire en vrai, mais du coup, ça sort sur quoi? Coming soon? Tout chromatique, qu'est-ce que c'est que ça? Tout chromatique? Qu'est-ce que c'est que ça? Chromatique console. On va voir. Et coucou Oni, comment on va? Ah, c'est un truc FPGA. Et il y a des vrais jeux dessus autres que de l'émulation. Oh, ça va aussi. Donc là, il te présente de l'émulation. Hein. Nintendo en PLS d'ailleurs. The goal here was to build the Sous-titré ultimate way japonais, to play très bien. Game Boy games. Not just the next one or one of many, but indisputably the very best way, the most authentic, the highest quality, one that will last for generations Ah, le as a t-shirt, piece il est. of Ah, le mien, heirloom oui. tribute art. And that's a very different perspective than most game consoles or even most products. Technique multiclonage, j'avoue. The thing J'avoue that's que really ça doit cool être about ça. Chromatic is it is 100% compatible with the entire Game Boy and Game Boy Color library. We have made so many different product development decisions that are fundamentally irrational from a money-making perspective. En tout cas, je savais From pas qu'il y avait ça qui devait sortir, tu vois, je completely passais à custom côté. one-to-one LCD that has Ah ouais, mais les identical avocats, pixel Oni. structure, identical layout, identical Le resolution and multiclonage. size to the Game Boy Color display. To the way that we match Mais the color apparemment, il y temperature a between au moins un jeu non-standard original qui va RGB that sortir dessus. perfectly reproduces the strange colors Intéressant à that came savoir, out ça. of a Game Boy Color display all those decades ago. The sapphire screen lens. It's more scratch resistant and it's a better experience. We decided, you know what? We're gonna at every Et à stage combien going ils to vont vendre do leur truc en something that vrai? is the best, even if it doesn't make sense. The same goes for the magnesium aluminum alloy molded shell. It is doesn't make any sense compared to just machining it Bah alors, or even chat, making out of tu peux plastic. venir? But it was the only way to make the device that we want an Voilà, vous ne extremely verrez light, plus le extremely t-shirt. strong, with exactly the right curvature and no protrusions that were going to cause problems. The only way to give it the perfect surface finish.
Same thing with the buttons that we have on it. We're not just molding ABS plastic buttons. We are using a PBT semi-crystalline polymer. And there's really a lot of examples like this, from the audio to the video to the mechanicals to the underlying electricals even. At every step, we built custom components that make this the ultimate way to play your Game Boy games. Even though bon, okay, donc une console d'émulation Game Boy, très bien. Alors... ouais, t'es sûr? From the most enigmatic corners. En tout cas, c'est plus puissant qu'une PS5 Pro, c'est une évidence. The spawns of the old gods are gathering for a party. Attends, chat, ne fais pas ça. Fais ça. Bah, Jirem qui s'installe, monsieur le chat. Regarde le chat. Il s'installe. C'est pas encore un Among Us, ça? Ça a l'air en tout cas. That's a bottle. No! Oh, of course you betrayed. Everything is correct. This is the regular users. It all begins here, in tonight's ritual night. Ouais, souvent c'est un peu la mode. Dreamlit. Welcome to Agazba. A land where the echoes of your ancestors still linger. Once a thriving home to the Shimu tribe, it was all but completely deadened by the eruption of the dark, withered force, causing its inhabitants to flee. As the descendants of the original Shimu, you have returned to Agazba and stand at the threshold of an epic adventure. Open world, biome builder game. Okay, ils ont rajouté le mot biome. Rebuild your ancestor civilization and discover the origin of the cursed withered force. You will breathe new life into Agazba, forging a legacy for all future time. Towers of Agazba is no ordinary sandbox. It's a vivid, deeply felt journey in which memorable characters and emotional storylines gently guide you toward uncovering the island's many secrets. As you nurse the barren landscape back to life, you'll be able to harvest the resulting resources, in turn fueling the reconstruction of Shimu civilization. Each decision you make will help shape the forest's growth. Hier après-midi, on avait 6 degrés au nid. 6 degrés ici. Nature and human progress are inextricably linked. Their delicate balance ensures the fulfillment of your vision. The land of Agazba is one of striking ecological diversity. Est-ce que l'on reverra quelqu'un chercher son courrier tout nu au petit matin? Je m'en souviens encore, Oni, hein, c'est en plein hiver. This potential lies in the origin of all Agazban life, the mighty colossal tree. Once sprouted. Ça m'intéresse pas spécialement, voilà. Lichcraft, alors, dis-moi tout, qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà! Un stratégie, un wargame. Welcome, my liege. You have inherited one of the greatest kingdoms of Europe. You must explore the land around your kingdom and brave the seas to travel further. You will meet foreign rulers who will either become your greatest allies or worst enemies.
collect relics and valuable items along the way. Learn skills in areas such as warfare or statecraft. Implement new laws that unlock unique ways of managing your kingdom. And research technologies which advance your realm through the ages. Construct buildings in your cities. Improve lands around them to extract valuable resources. And conquer regions to expand your empire. Gather your most loyal vassals to raise armies and march into battles against rival kingdoms. Send your bravest knights to merciless duels and your esteemed nobles to host diplomatic gatherings. Those who will act with nobility and honor. Though, don't forget they have en vrai, ça peut être pas mal. And won't always do what you want. Their actions will have consequences. But you are a mighty monarch who is capable of controlling their vassals. Explore dungeons, complete quests, and experience countless exciting adventures. Manage your relationships, balancing their needs and personalities with your own goals. Reward the loyal with land, power, and royal titles. And inflict justice on those who do not obey the king's law. Do you have what it takes to be the king? Tiens, ça a l'air d'être pas mal du tout en vrai. Pas mal du tout. Et on va regarder les prochaines sorties de cette semaine, ce mois-ci. Enfin, grâce au site Release, qui est pas mal du tout. Hein. Qui est pas mal du tout. Alors, ça y est, on a le patch 1.6 du Stardew Valley. Combien de mois après le PC? Ben bon. Je me souviens que c'était sorti il y a très très longtemps. Metro Awakening. My story is a tale of c'est de la VR, c'est le jeu en VR. On l'avait vu. Pardon. Metal Slug Tactics, ça sort demain pour les intéressés. Oui, je sais, je suis un des rares qui ne suis pas intéressé. Mais... Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui veulent y jouer. Et celui-là, il a réussi à me... Rien du tout. Voilà. Entre 4 et 6 heures du mat... Oh, on n'en parle pas, j'ai vécu à Paris. Hein. Paris, région, tout ça... Ah, je sais ce qui s'y passe à ces heures-là. Sauf 5 heures. 5 heures, vraiment, t'as le début de journée. Mais voilà, bizarrement, ce jeu-là, j'en ai rien à cirer. C'est chelou. C'est dans un patelin, ouais, je sais. Mais à Paris, à 5h du matin, ça y est, t'as tous les matinaux travailleurs qui sont là, quoi. Ils sont déjà dehors, ils sont déjà au taquet, en vrai. Et ils t'ont fait un joli trailer aussi. Comme on dirait du Dominion Tank Police au niveau du design des tanks, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça, c'est les sorties les plus proches. Hein. Empire of Ants. Donc il y a des gens qui l'attendent. Et je ne sais même pas ce que c'est. Peggy 12. Pas bien. Ah, chacha. Il y a vraiment des gens qui ont envie de jouer à ça. Ça, on appelle ça des gendarmes de par chez moi, ça.
Bref, pardon. Ça m'a hypé pas du tout. Hein. Alors celui-là, c'est... Ton but dans la vie, c'est de jouer une fourmi. Ah ouais. Ah bah oui, avec des grosses araignées. Tu vois, moi, c'est typique le genre de truc... m'en fous. Mais graphiquement, il est super bien fait. Mais voilà, les fourmis. Bernard Werber Saga. Ah ouais. Ok. Ok, Bernard Werber. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de Bernard Werber. Il va bien, j'espère. Celui-là, c'était lequel, déjà? Ah oui, c'est celui-là. Ouais, je me souviens de celui-là, mais c'était un Kickstarter qui était à 3000 balles, je crois. Ou 5000 balles, Ether. C'était celui-là? T'es sérieux? Peggy 12. Là, c'est pas un projet à 5000 balles, hein. Avec la modélisation de la fourmi, là, c'est déjà 5000 balles. Ok, donc c'est pas les mêmes. The Last Ronin. C'était quoi, The Last Ronin? Donc Mirtwood, je sais pas ce que c'est non plus. Alas. It came to pass that bitter conflict and ceaseless war engulfed the continent. Those un chaton. Who dared to brave the sea fled. Vous voyez, il a pris sa place. Nights, they sailed. They arrived at a new land. Ah ouais, moi je trouve toujours ça chelou en fait, ce genre de DA. Ouais, pas fan. Pas fan du tout. Go to calendar. Et voilà. Ah. Mais le pire, c'est qu'ici, il y a tout. Il y a les jeux, il y a les films, il y a les... Tu vois, Popular Movie. Série télé. Donc voilà, si jamais, c'est vraiment un excellent petit site, en fait. Splinter Cell et les frères de la Tortue Rouge sont morts et ils se lancent dans une croisade ultra-violente. Là, c'est des persos de... Ah, je suis pas connaisseur. Hein. Je crois que ça se voit. Ah, oh, punaise, ouah, puis j'avais oublié qu'ils faisaient un remastered de God Simulator. Mais ça continue de se vendre en vrai, sérieusement, ce truc? Ce qu'on a compris, quoi, c'est... Voilà, c'est... Ce genre de jeu, tu joues 10 minutes, au bout d'un moment, t'en auras le cul, en fait. T'as compris la blague? Tu t'en vas. Moi, ce que je fais, hein. Les God Simulator, ouais, mais... Je sais pas, je me pose la question si ça continue à se vendre réellement, quoi. Parce que c'est tellement... C'est tellement vu, en fait.
Ils en sortent tout le temps de partout. Enfin bon, c'est. Ouais. Oui. On a vu la blague, ouais, on connaît. Ah ouais, Chicken Police. Il faudrait que je termine aussi l'ancien. Enfin, le premier. À un moment. This whole madness. Codé avec les cornes, bah ouais, mais une fois que t'as compris la blague de God Simulator et Terre, tu. Ah, moi je m'en fous, moi. C'est le genre de jeu, je fais aller une heure au pire des cas, puis après j'ai compris quoi. Donc, ça, c'est un jeu d'enquête. Très bien foutu en point and click. En tout cas, pour le premier, il était très bien foutu. A bastion of tolerance and equality. A genuine shithole. You know. Truth is a weird dame. No matter how loyal you are to her, she'll cheat on you in the end. The question is. Bon après la dame est chelou, hein, je vous l'accorde, hein, mais il est bien. And if you do, what price are you willing to pay? C'est comme Black Cat. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le même genre. Et comment que ça va, TikTok? Broken Sword. Sur Switch. Mais pareil, celui-là, il est. Ce remaster remake, il est bizarre. Ils ont pas repris le contenu du. De la nouvelle version qui était sortie dans les années 2000. So here I was, remembering a murderous clown, a deadly explosion, and yes, it changed my life forever. Ou alors c'est le nouveau. Ah oh, putain, je confonds. C'est le 6. Merci, Zbula. Sounds like we're in danger. Tu vois, d'un coup, j'étais en train de me dire, je suis en train de tout confondre. Au chaud sous le plaid. Moi, je suis au chaud sous le chat, regarde. Sure. Un vin blanc. On est bien. And if you see a clown. La date, je te donnerai ça dans un instant. Mais là, c'est sur Switch uniquement pour le truc. Ça, c'est le Reforged. Reforge. Coming early 2024, un unset classique. A brand new chapter. On peut voir comme ça. And a brand new chapter. Broken Sword par Parzival Stone. Ok. Donc ça, c'était ce qui était sorti cette année en vrai. Donc c'est bien le Reforge qui sort le 7 novembre sur Switch. Puis une séquence en animation. Waouh, c'est des choses qui se font en vrai. C'est des choses qui se font. Taiko no Tatsujin, voilà, le genre de jeu que j'arrive plus à jouer. Ouais, du coup, ouais, ça c'est cette semaine. Alors voyons voir. Hop. Ici. La semaine suivante. Un jeu à faire sur le taco. Ah. Flint, Treasure of Oblivion, Farming Simulator 25, ouais, on s'en fout. Skydance Behemoth. Je me souviens plus ce que c'est ça. Il avait pas de cinématique le jeu d'origine, je me souviens pas. There is no victory to be had here. Ah, chacha. There is only survival. The strength of your resolve.
is the only thing that will grant you another day. Another breath. This place is relentless. It devours everything. And soon, it will take your mind. I have found no meaning to this struggle. Voilà, je t'embête un peu. When the end comes for you, je vais faire sur le Taiko. Do not yield. Rage of the Dragon Neo. On va pas tous faire hein, ce matin, mais quand même des trucs un peu intrigants. On l'a pas vu hier ça ? Si, je crois. Il est bon le rendu. Ils sont énervés, hein. Achacha. Je t'embête. Ouais, il est vieux, je sais, je me souviens du logo. Je me souviens du logo. Euro Truck Simulator à pied à Halloween. Ok, s'ils veulent. Ah, Temtem Swarm. Attends, c'est une suite. Temtem, ça me rappelle des vieux souvenirs. Oh, le Tetris. Celui-là, j'y jouerai. À un moment ou à un autre. 12 shapes, it's too much to remember. I decided that I should downsize it. So if I introduce flipping, then I have just 5 pieces. That's how Tetris was born. Well, I didn't have the rights. I said, I'm going to go to the Soviet Union and get those rights. I believe that Tetris will be here forever. I think I have one of the greatest games in the history of computer games. Alexei really created the perfect game. Le jeu parfait, oui, je sais pas. Play Tetris. Play Tetris. Play Tetris. My friends. Tetris is inclusive and it appeals to everyone. Every place was sold out, and every place was clamoring for more. We're always trying to figure out what is the best way to keep the core game of Tetris. Nobody thought this game was going to last forever. Ok, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais moi voir. Il y a déjà pas mal, hein. Parce que là, dans 2 semaines, pareil, enfin, il y a tout le temps des jeux en ce moment. Ah voilà, le Fighting Collection Arcade Classic. Un chat. Quand je disais qu'on était submergé en matière de jeux vidéo,
c'est pas faux. Achat. Pareil, celui-là, c'est un jeu que j'attends. Mais un jour, Switch physical, non, j'en ai rien à cirer. Switch au cours. Switch tout court. Et donc ça parle de Genshin Impact et tout. Il y a des titres que vous attendez sur la fin de l'année ou... Ah ouais, le Metal Gear. Metal Gear Delta. Regardons sur YouTube. Un chat. Ah bah c'était le premier trailer ça. Avec le peuple fourmi. Les toutes petites fourmis là. Un chat. Un des rares chats qui aime qu'on caresse ses pattes. Ouais, c'était le premier trailer, ça, le premier teaser, le truc originel. Et encore les fourmis, ouais, t'as vu? Non, je crois qu'il y a un signe. Hein. Je crois qu'il y a un signe. Neon Blood. Peggy 16. Ah! Voilà. Je m'attendais que ce soit pas le même rendu tout le temps. Merde, c'est de la 2D HD. La saison 2 de Cyberpunk. Ah, je sais pas. Mais je suis toujours aussi dubitatif sur 2D HD. Hein. J'aime toujours pas en vrai. Ah non, on est que sur du jeu là. Dim tout ça, Neon Blood. Mais ouais, la 2D HD, c'est toujours pas ma cam. Toujours pas. Pass of Exile. Ah, il y avait ça aussi. Mais alors ça, il n'y a pas de trailer, il n'y a rien. Il y a juste des images, là. The Last Entry in Landmark Science Fiction Franchise. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils le sortent chez nous aussi, quoi. D'habitude, on ne les a pas, ceux-là, tu vois. Animal Crossing Complete, qui est sur iOS. Ok. Delta Force dans 5 semaines. Plus ça avance, moins il y en a. Normal. Ace Combat 8. C'est dans quelle année ça? Very Anticipated. Ah, il y a de quoi? Mais c'est pour quand? Voilà, y a rien.
Dynasty Warrior Origin, tout ça, ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, les ouf.